Bonjour tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. On a vu lors de l'épisode précédent quelques petits problèmes avec la Macédoine qui avait fait passer ses troupes tranquillou chez ses voisins et qui avait fait un petit débarquement en Syracuse, voilà. Donc vu qu'apparemment c'est pas un problème pour Pergamon et ses pairs. Ah non, il est peut-être passé par là. Ah bah attends, il aurait mis vachement de temps quand même. Bon, dans le doute, hein, on n'a aucun problème à passer chez sur les territoires de Pergame pour éliminer du Macédonien. Oh, j'ai pas réussi à les éliminer, tiens. Ils avaient encore une troupe. On a vu également hop, que la City Royale était en train de taper avec un peu tout le monde. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas en profiter? Donc on va y aller aussi. Ouais, normalement on a fait nos préparatifs. On va pouvoir y aller, regardez. Ils ont pas de copains, ils ont que des ennemis. Et des neutres. Mais bon, ça c'est pas important. Voilà, on continue le siège. On va faire les sièges un peu partout. On va voir un peu comment ça se passe au niveau de la répartition de ces troupes. Personne. Donc on encercle. Ici. Voilà, il y a quelques petits. Ouais, bien méchant, donc on va y aller. Résolution. Mode défensif. Pas besoin de plus. Les esclaves, lui, ouais, cette classiste n'est pas très très haut niveau, mais. Contre des. Les peuples des steppes, ça fera largement l'affaire, quoi. Ils peuvent pas faire grand chose, hélas, pour eux, parce que pour moi, c'est parfait. Ils sont pas habitués à aller en mer, quoi. Pas faire résolution en mode défensive, bon, bah, c'est pas grave, j'enverrai des troupes à pied qui sont d'ailleurs pas loin et qui vont pouvoir prendre Olbia, donc ce qui fait qu'on va pouvoir couper déjà ces territoires en deux. Équilibré, il y a Soloka d'un côté, Tassia de l'autre, Sarmizegui de Pisa aussi. Prêt pour vos ordres. Allez, on occupe. Ça va être agraire. Il faut de la bouffe. Il me faut de la bouffe là, on est. Ah, on est mieux. On est mieux, mais c'est toujours pas ça. Ouais. Alors, on va mettre des édits, pendant que j'y pense. Donc ici, récolte des impôts, ici. Récolte des impôts, tiens, on va en profiter. Récolte des impôts, ici. Rien. Je peux pas. Ici, rien. Ici, récolte des impôts, et en Carthage 6, récolte des impôts. Impeccable. Attendez voir, ouais, il y avait ça aussi. Je vais faire une petite marche. Non, bah non, je peux pas. Il y a quoi comme troupe ici? Oui, c'est bon, ça passera. Résolution, mode équilibré. Les armes des Gepusa, c'est à moi. Hop là. Voilà, impeccable. Falloir faire un peu plus de revenus par contre, hein, parce que là c'est pas terrible. D'ailleurs, je voulais voir. Ouais, Macédoine. Ok, ils sont là. J'ai pas une légion là qui les attend dans le coin, je crois. Et là-bas. On va les attendre. À moins 10 hommes au cas où. Ils sont là. Ils devraient pas pouvoir faire grand chose, mais. Sans doute. S'ils recrutent trop de mercenaires ou quelque chose comme ça. On les attendra. On les attend de près de pied ferme.
Ok, ils ont que ça. J'ai pas pris de pétrole là-bas. Pourtant pour moi. Bah si si elle va être prise. Voilà, un tour, purée, j'ai fait un tour de siège, ils sont obligés de sortir. C'est moche pour eux ça. Vétéran 10. Pourquoi en triomphe? On n'arrête plus les triomphes. Hop. Là j'ai mon bonus d'éperon. Et aussi solide en passant et portée de déplacement. C'est parfait. On va développer ça. La dernière technologie militaire. Je me suis fait choura des territoires là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu dégages. Ici c'est chez moi. J'en ai rien à secouer. Ici c'est chez moi. C'est moi qui ai tout fait. Donc tu dégages. Voilà. Merci. Je préfère ça. Devez respect et obéissance à Rome. Voyons. Rituel. Voiture. Pour faire le siège et même. Prendre la ville tout simplement et on n'entendra plus parler de la City Royale. Apparemment on entendra encore parler de la City Royale. Ils sont où? Ah ok, il y a un groupe là. Voyons voir contre qui du coup je suis en guerre. Donc les Rhodes, les Sardes, les Spartes, ah, les Séleucides et Athènes. Ah les Séleucides aussi, ils étaient alliés. Bon c'était la destinée de Rome. Hein. Ah ouais. On va faire ça, c'est bien. J'aime bien démoraliser. Voilà. Ça là. Alors il va juste falloir que. Attends, mais il était dans le coin, je suis pas fou. Il était où? Non, je me suis trompé. Nord de la Thracia. Ah, il est au nord de la Thracia, il est par là donc. Prêt pour la bataille. Commandant, c'est tout. Avez-vous d'autres ordres? Ok, on va s'en débarrasser. On va pas s'en débarrasser, il est parti courir trop loin. Bon, quoi que si, c'est bon. Hop. Oh, ça fait de la perte, mine de rien. Petits esclaves, impeccable. Et on retourne à Poupoudéa. Ah oui, ici on a dit que c'était miné. Ça sera miné plutôt. Alors il faut défendre nos villes. Là il va falloir défendre nos villes. Hop, une ici. Une Legio. Delminium. Une Legio à Sigindun. Et tout le reste, c'est bon. Ah non. Non. En effet, il va m'en falloir une. Albia. Un peu, je vais envoyer mes flottes. Les embêter un peu. Qu'est-ce que. Ah oui, non, mais c'est pas à moi ça, oui. Non, mais ils m'ont embêté, hein, écoutez. Moi bon, à la base j'avais pas prévu d'y aller mais là ils sont venus, ils ont récupéré comme des mes possessions et ben je récupère comme un des possessions, mes possessions. Alors j'ai besoin d'un cité, il me faut une rage, j'ai peut-être pas la thune, c'est ça. Si c'est bon, hop, on va la citer lui. Je vais adopter avec lui, autant, on va avoir plein de gamins. Au sujet les thunes, c'est bon. Et ce sera un amiral. Oui, prends des gamins toi si tu veux. Ah bah, décidément, t'auras des gamins.
Hop, hop. 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 Tac. Tac. Parfait. Et il est où, où il est là, rétablir l'héritage, la classe 3. Et là on va changer un peu. On va avoir que des cordes d'évocatif. Ah ça fait cher. C'est pas ça que je voulais. Hop là, ouais, moi, 3 par, 4 par 4, on peut faire beaucoup mieux. Et bon, surtout, on va refaire un peu de la nourriture, de la bouffe, et tout le bazar. Enfin, des revenus, quoi. Parce qu'on a besoin de revenus. Hein. La bouffe, pour l'instant, on est correct. Mais les revenus, on n'est pas correct. Du tout. Donc, ouais, revenus à balle. Ah bah tiens. J'ai pas. Et là, j'ai pas encore. Des steppes, les cimériens, très bien. Bon. Moi j'ai hâte de voir Popudeva. Est-ce qu'ils vont se prendre une assaut commune de plein de gens? Un assaut commun plutôt, parce qu'une assaut commune, une assaut, une association peut-être, oui. Mais tiens, j'ai une idée, je vais l'envoyer en Antioche lui plutôt. Ça aurait pu être, ça aurait pu me faire même plus mal. Alors ici c'est à fond sur de la bouffe, faut pas déconner. Non c'est pas ça. Ici. On va faire autre part. Là, là, là et là. Voilà. Un petit du monde dans le coin alors. Comment que ça se passe? Navissos. Est-ce que je peux aller sur Navissos et prendre leur ville? Oula, on va accélérer. On peut prendre Navissos. Très bien, bon, on va y aller. Voilà, bon, ça c'est la tactique très développée du rouleau compresseur romain. C'est-à-dire une fois qu'on est lancé, c'est la merde pour nos ennemis. Périphérie. Et ça. Ah. C'est con ça. J'ai pas le développement des bâtiments suffisamment au niveau. Si tu me veux... Oui, bah oui, fais des gosses. Oh, il n'y a plus, dommage, bah, allez, hop, ce sera ça. Avec un peu de ruse, ça tire, très bien. Bon, bah, ils ont pas voulu. Il y a quoi ici? Il n'y a pas grand chose. Ok, est-ce que je peux passer là? Non. Bon, ça a l'air de passer tout seul. Hein. On est en mode protection. Zéro perte. Je vais faire quoi une de mes légions ici? Ah, zéro perte. Génial. Je vais faire quoi ma légion qui a Malva. Et je vais lui dire. Oh, des sauces. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Regardez l'ensemble. Finir vous-même. Voilà. Tu vois là, lui? Oui, bah viens donc, tu vas voir. Ça va coûter quelque chose, toi. 4, tac. Ouais, ça reste un champion général. Par contre, le tour prochain, si tu as pas des flancs de Pella, je peux te dire que je suis dessus. Hein. Aucun problème. Laissez-le ici, il passe pas ici, on est d'accord. Ah, mais non! Bon. On va devoir courir à Syracuse parce que oui, on. Ils vont essayer d'y débarquer, c'est pas le moment. Là, ils sont trop peu nombreux. Mais alors, tu travailles pas, toi? Comment ça, tu travailles pas? Tiens, toi, tu vas aller au niveau de... Ouais, chez les Sardes.
La petite route là, voilà. On va Pergamon même, tiens, pour changer. Alors. Ça c'est très bien, bien joué les gars. Hop, une autre Légio, la 10. Parfait. Bien joué à toi le général. On avance comme ça, petit à petit, en argent. Où est-ce qu'il va lui? Ah oui, il y a le bien. Bon, ils n'ont pas l'air d'être motivés à bouger. Sparte peut-être? Non plus. Bon, ils font pas grand-chose, hein. Il a compris son erreur, lui. Non, je vais juste continuer. Il fait des actions d'agent. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mais pas trop longtemps, quoi. Merci. Non plus. Allez, vous cherchez sur votre petite île, les gars. Ouais, forcément, pas quartier. Eh, merde. Bon, attends, déjà. Les pas quartier, on va les régler ici. Industriel. Pas quartier donc. Olbia encore? Non, ça doit être la première. Ok. Ça va être de la bouffe ici. Hein. Bah, là, je sais pas. Agriculture. Voilà. On peut leur tirer de la marche forcée. Ici, on va aller en Taïa. Mon but, ça va être de prendre Nicomédia très rapidement parce que c'est un gros point de passage. Non, ça va. Peut-être que là, pareil. Ouais. Ouais, mais dis donc, on avait des points de recrutement. Hein. Alors, est-ce que tu as rajouté des... Oui, très bien, tu as compris. Juste blocus. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Bon, ils ont pas mal de troupes quand même, hein. Là ça peut être embêtant. On continue de recruter. Ouais, tu me diras, et franchement. Regardez. On se dit, oh, c'est un peu limite, au niveau des pertes, etc. Moi je te dis, non. Quel est le problème? Enfin, je ne vois point le problème. Ah. Avec des renforts, ça passe tout seul. Tac. Apollonia. Un peu de vin. C'est tout seul, enfin. Puis là. Et là. Même principe, enfin. On a la supériorité numérique un peu partout où on va. Mion. Hop là. Alors, Sparte, ça fait les beaux? Hop là, Navissos. Parfait. Ouais, ils ont des villes développées par contre, les savoureux. Ah, ils ont de la ville développée. On va faire de la bouffe partout maintenant. Ça va devenir des grands champs. Ça. Ça, je m'en fous. Hein. Et. Bah non, c'était ça. Non. Ça. Bon, on verra plus tard. Alors, je vais juste regarder. Non, pareil, celui-ci, il bouge pas en même temps. Ils font bien de pas trop bouger parce que ça peut vite mal se passer pour eux, quoi. Et voilà, on arrive là. On voit que ça bouge dans le coin.
comment on s'entend avec les autres? Correctement. Ouais, pas ouf. Pas ouf du tout. Pas ouf du tout du tout. Il n'y avait pas niveau de malva. Ouais. Faire des champs. Enfin des villas, des villas, des villas, des villas. C'est bon. Ok. Il est bloqué tous les 2,5 mètres, lui. Celui-ci est traité de paix. En vrai, ça m'arrange. Voilà. On a fait la paix avec les Séleucides. On va bouffer ses copains. Pendant que lui ne fera rien. Je passe un digne de confiance, je n'ai pas compris pourquoi. Donc c'est lui qui n'aide pas ses alliés au final. Or que moi, je suis tout seul. J'ai des accords commerciaux, c'est tout. Oula. Alors, à pied, ok, il y a 3-4 unités de flotte. Ah, il y a encore des renforts. Mais oui, il y a du renfort dans le coin. Oh. On va mener la bataille sur le champ. On va lui couler ses petites unités là. Ouais, ils sont pas très entraînés, ouais. J'ai oublié les détails. Ouais, c'est, ça reste du transport. Il y a une flotte de garnison à 4 navires. Franchement. Ah putain, oui, salaud. Tu me diras, c'est toujours moins mal que de la pluie. Putain, il est trop loin, mon ami. Parce que la pluie, ça limite à fond les dégâts sur mes dégâts de feu. Des projectiles enflammés, quoi, vous avez compris. Hop, pareil. De voir d'où viennent les renforts parce que là dedans il y a tellement de brouillard qu'on sait pas où est devant ou où est derrière. Ce que je veux c'est vérifier qu'il n'y a pas d'un. Oh putain. Ah, ils viennent tous de là. On va s'avancer, on va vite s'avancer. Voilà, vite s'avancer. J'ai un doute. Oh putain, elle est très rare. Oh purée, même sa flotte de garnison vient de là. Elle vient sur le côté là. Je vais en prendre 4. Je vais leur dire les gars, faites demi-tour. Là, faut faire feu remonter. Par contre, vous avez pas la portée? Si, voilà. Ok, on en coule. Ça devrait couler assez rapidement. Et là, avec les 4, ça va être priorité sur lui. Priorité un par un. Espérons que là, ça avance pas trop. Ouais, lui, foncez dessus. Il est déjà un peu moché, je suppose. Ça va plus faire du bien. Hop. Le suivant. Oh putain, ils sont déjà si proches que ça. Je perds des navires, moi, là-dedans. Hop, parez-vous, les gars. Lui, il a pas compris les ordres, c'est dommage. Je vais en laisser un. Oh oui. Oui, pas bien. Je dois avancer. J'ai pas le choix. Donc là, tout cela, plus le général, je leur dis d'aller à l'opposé là-bas. Charger. Oh merde, non, c'est pas de bon sens, ils sont pas dans le bon côté du coup là. On a chargé. Ouais, bon, ils vont me poursuivre, mais bon, avec un truc de transport, faut pas déconner. Pourquoi il bouge pas lui? Allez, bouge ton. Hein,
Bouge tes rames, bouge ta voile, bouge tout ce que t'as, je sais pas, fais quelque chose. Putain, il est au bord de la map. Honnêtement, vu que je vois même pas le bord de la map. Avec le brouillard et tout, là, j'y vois que dalle. C'est... Ok, il est là-bas. Putain, il a porté de tir de projectile, lui. Hop, tu vas aller dans le coin là-bas, toi. Voilà, vous utilisez vos rames à balles. Allez. Il faut forcer là la cadence. Faut pas savoir. J'ai déjà perdu un navire. Il est rapide lui. Hein. Il est rapide le Saligo. Après une fois qu'on sera arrivé. On prendra quelques projectiles. Je ne sais quoi même. On voyait deux. Et c'est déjà pris quelques dégâts là en plus. Parfait. Puissance de feu parée. Voilà. C'est parti. C'est parti. Ok, allez vous placer les mecs. Navire d'artillerie. Aucune idée où est-ce qu'ils vont se placer, mais. Vous n'avez pas le choix que d'aller vous placer. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ah, j'ai cru que c'était des navires ennemis. Pas du tout. Bon, tournez-vous du bon dans le bon sens. Au moins, faites un effort. Ok, bon là ça devrait être tranquille normalement. Quoique. Non, lui c'est le. Ce bateau, ce navire, c'est celui qui peut poser problème. C'est pas un navire de transport, lui. C'est un navire de. Un navire de guerre, donc. Ok, et l'autre. On n'avait pas un dernier? J'ai oublié quelque part. Apparemment, non, je le vois pas. Bon. On va accélérer tout ça. Je vais leur dire hop ça et remettre feu à volonté histoire qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Voyons voir tout cela là. Tout cela, je peux les mettre un peu de traviole. Et là, là-bas pareil. Voilà, ça aidera sur le feu. Sur le tir de projectile. Voilà. Bon, j'aurais perdu un navire dans l'histoire. C'est pas cher payé. Si ça continue comme ça, du moins. Bon, et hey, les mecs, allez, on fait feu là. Ils sont devant vous, faites un effort. Oh, dire où est la difficulté de faire ça, quoi. Bien avec la brume. Oh. Excellent travail. Une fois de plus, nous allons mourir par la plaque. Il est pas mal. Et l'autre, le dernier là, il est par là-bas. Il est un peu loin. Donc on va prendre nos navires, on va lui dire. Ah mais si, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah non, c'est du transport léger. Bon, allez, hop, tout le monde dessus. Faites-vous plaisir, mais c'est parce que c'est de la cavalerie, ok. Voilà. J'aurais perdu un navire. Pour... 5154 hommes en face, oh la vache. J'ai perdu une quarantaine de navires, lui. 1 pour 40. Le ratio est vraiment sympa. 1 pour 40 sur des navires et plus de 1 pour 50 sur, au niveau des hommes. Vium, vium, coulez, coulez.
esclaves. Allez, hop. Tu veux en renvoyer, c'est ça? Tu veux m'en renvoyer? Moi, ça me va. Hein. Moi, c'est ultra rentable. Hein. Y a pas de problème. Hein. Alors là, au contraire, je suis content si tu m'en renvoies, non? C'est pas gentil. Il te reste quoi? Pas grand-chose. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez. On va venir avec la 11e Légion. Un siège. Y a pas une petite troupe qui traîne dans le coin là, qui a apporté par hasard non. Pas de chance. Non. Antea. C'est toujours ça de prix. Voyons voir. Puis on va avancer. Et là, on va aller à Larissa. Et on cercle. De Polonia. J'allais dire on va à Athènes, mais bon. Pas la porte à côté. On va avancer tranquillement en embuscade. Ouais, non, en fait, je vais aller les dépêler là. Hein. Franchement. Epidamnos. On va aller à Polonia. Oui, là, putain. La résolution auto. Voilà, voilà. Tiens. Hop, on a vu que c'était de la boue, c'était vraiment agréable ici. Donc, hop, ça va finir là-dessus. Là-dessus, du poisson, de la boue. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ok. Là, ça passe pas, c'est dommage. Ah, si, ça passe. Attends, ça passe avec la flotte, mais ça passe pas avec... Ça c'est original ça. Ok, pourquoi pas. Bon, on va continuer le siège. Hein. Là. C'est là en vrai. Et en cadence rapide, il peut fuir aussi loin. Alors, résolution en auto. Ah, plus. Oui. La Macédoine, on n'en parle plus. On l'a bouffé. là, il va quand même falloir continuer à faire un peu de pognon. Hein. Là, je vais faire tout ce qui rapporte du pognon parce que là, on gagne 3000 par tour. Oh purée. Mine. Prenons en compte. Mine. Oh non. Joaillier. Non, Pannonia, non. Ça, ça va en faire un peu. Ça va en faire de. Ouais. Ouf. Moi j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Faudra que j'économise. Tiens. Et si. Non, les pontes, je m'entends pas plus que ça. Les sardes, je suis pas en guerre contre les sardes. Ah ouais? Ah, ça doit être un état client. Tous les tout, à tous les coups, c'est l'état client des Séleucides. Ouais. Donc ils n'ont pas eu le choix que de les rejoindre. Bon, on va terminer l'épisode là-dessus pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Un épisode mouvementé, et je peux vous dire que le prochain le sera certainement, en fonction de comment vont jouer les Pergamons à Nicomédia. Ouais, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille, je sais même pas si je vais la jouer honnêtement. Ça aura peut-être pas le coup, peut-être que j'attends des renforts d'Antea. Rompiche, Sparte. Hein. Ah oui, très rompiche là, c'est très le rompiche ce Sparte. Bon, eh ben je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, c'était Tiob. Chut.
Oh, il s'est réveillé.